What's up, gens? J'espère que vous avez tous mon informé aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis. On est sur le Skyblock TypePixel pour une nouvelle vidéo sur notre île où ce que nous avons tout recommencé. Et aujourd'hui, les amis, nous allons terminer les talismans qui nous manquent. Donc, il nous manque quelques talismans, mais pour ces talismans-là, nous allons avoir besoin de dépenser un peu d'argent. Mais avant de faire ça, les amis, nous allons vider nos minions, voir si on peut upgrade, si on peut en upgrade quelques-uns. J'ai aussi remplacé quelques minions, donc je vais vous expliquer tout ça. J'ai remplacé l'émeraude par le gold et j'ai rajouté un spider vu qu'on en a débloqué assez. J'ai crafté plein d'Enderman et plein d'autres minions. On va pouvoir aussi, si je m'abuse, crafter notre... oui, on va pouvoir la crafter, les amis. Notre ring, attendez, on va voir si on a assez pour upgrade ça ici. Oui, on a assez, parfait. Donc on l'a upgrade une fois. Et maintenant, on a assez pour crafter notre potion affinité. Donc on va pouvoir faire ça. On va aussi aller faire les deux courses. Donc la course de l'aide pour avoir un talisman bleu. Et on va aussi aller faire celle de la jungle. Et en plus de ça, les amis, on va faire aussi le début des Slayers aujourd'hui. Donc en espérant que on soit capable de passer Slayer 1 ou 2 dans un peu tout. On verra bien qu'est-ce qui va se passer. Au pire, on craftera des potions. Mais ça devrait le faire. Aussi, on avance dans notre arc. Comme vous voyez voir, il manque presque juste un stack de trucs. Donc, ça l'avance à grands pas. Les œils enchantés, on n'en a pas besoin. Et les deux verrues qui restent, on va en avoir besoin pour crafter notre talisman. Est-ce qu'on le fait tout de suite? Ouais, vas-y, on va le faire tout de suite. Donc, voilà. Ici, comme ça. Malheureusement, ça reset l'enchant. Ça fait un peu chier, mais bon, c'est déjà ça. J'ai acheté un bas de talisman. Il y en a qui m'avaient dit, ouais, quand tu mets un île sur ton... Mets un île sur ton île, donc on peut crafter des petites îles et tout, et tu vas en avoir. On va le faire quand même pour faire un peu d'argent. On va voir si on est capable de faire ça pour avoir un peu d'argent dans le futur. Donc, redstone, voilà. Charbon, lapis, glowstone, obsidienne, parfait. Oh, en même temps, on monte notre gold collection, parfait, on a débloqué notre collection de gold. Patatos, et diamante, et cobblestone. Parfait, mes copains. On met tout ça dans le coffre et on va se diriger prêt à aller faire qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Bon, tu as vu quoi? J'en ai un peu rien à foutre. Je vais tout mettre ici. Hein. Voilà. Donc, il nous manque 6 trucs pour upgrade notre charbon. Ça, on peut vendre. On peut upgrade enfin notre patato mignon. Donc, on va le faire. Ça, on va le vendre. On va vendre les 39 patatos restantes. Qu'est-ce qu'on peut vendre? Les diamants. L'obsidienne, on en a besoin. Le gold, on en a besoin. La redstone, le... Ouais, ok. Donc, ok. Ça, là, on va upgrader notre patato mignonne, les amis. Oh, shit, j'ai failli me suicider, les gars. Voilà. Et c'est parti. Maintenant, on va aller faire un petit achat. Voyons voir si on a assez de coins. Et je crois que j'avais vendu... J'ai vendu mon Ender Armure à 50 000 l'unité la dernière fois. Et, oh, 80 000 pour une Fire Rune, ça va, ça va. Donc, j'ai vendu chaque pièce à 55 000 la dernière fois. Et on n'a rien d'autre à vendre. À part ce qu'on possède sur nous, qui fait 50 000. Parfait. Donc, on va avoir besoin, pour faire les deux courses, les amis, d'une Crystal Armure. Mais je ne sais pas du tout combien ça coûte une Crystal Armure. C'est un commentaire qui m'a conseillé d'acheter une Crystal Armure. Au pire des pires, on peut la revendre. Wise Crystal. On va marquer Wise Crystal, voir... Peut-être qu'on va être chanceux, on va avoir des pièces pas trop chères. Donc, une Wise Crystal, on en a des bottes pour 90 000. Donc, ça, c'est pas très cher. C'est dommage que ça ferme à chaque fois, hein, le truc. Ça devrait remettre avant. Le casse 150 000, c'est un peu cher. 200 000, ouais, on va le faire, les gars, parce que de toute façon... À moins que si on met juste Crystal, peut-être qu'on peut peut-être avoir pour moins cher Crystal. Plastron. Non, tu vois, c'est le Wise qui est le moins cher. Wise, il est... Ouais, voilà, quoi. 230 000. On va aller chercher un peu plus d'argent. On va la revendre après, les gars. On va faire les courses qu'on a besoin. Et on va pas la garder, honnêtement. Je vois pas à quoi ça pourrait nous être utile. Mais au moins, on va pouvoir débloquer 3 talismans. Et ça va nous permettre de... Wise Crystal. L'OS Price, c'était les jambières à 230 000. Voilà. Et le chestplate, maintenant, on a besoin. Chestplate, Wise, Crystal. Voilà. Chestplate, il est où le chestplate? Juste ici, à 235. On n'a pas assez de monnaie, les gars. Qu'est-ce que je suis débile? Je sais pas compter ou quoi? Sapristoche.
Ça va pas faire assez comme ça. Ok, bon, on a pris la moitié de notre banque, mais c'est pas très grave. Au moins, on aura des talismans en plus. Wise, j'ai pas mis Wise Crystal. Wise Crystal. L'OS, 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 l'OS. Il y a quelqu'un qui l'a acheté. Mais non! Il y a quelqu'un qui l'a acheté. Bon, ben, le moins cher, c'est 300 000, quoi. Vas-y, let's go. Ok, perfecto. Perfecto, perfecto. Voilà. Comme ça. Et là, on fait ça comme ça pour être sûr que ça bug pas. On en full waste cristal, ça nous donne 1500 de mana. Donc, ça devrait être assez. Maintenant, il faut juste aller au parc. Donc, bon, vas-y, on va y aller, hein. On va aller au parc. On va commencer par le parc. Et ensuite, ouais, on va commencer par la course du parc. On va faire aussi le talisman de Fire. Donc, c'est des talismans gratuits, les gars. Hein. Et aussi, je crois qu'on va pouvoir commencer la quête Roméo-Juliette. Ou peut-être que je vais la laisser pour une autre vidéo. Parce que je pourrais en faire une full vidéo comment la faire correctement. Donc, 1600 de mana. C'est pas la course la plus difficile, celle-ci, si je me souviens bien. Juste que je me souviens plus où faut aller pour la course. Je crois que c'est dans la fin fond de la jungle. Mais gros, j'ai un. Attendez, je crois que j'ai un truc en fait pour pouvoir gagner la truc. Exemple, si on était ici et on avait le papier de la jungle, on pourrait se retaper directement dans la jungle ici. On va sur le point et t'as juste à revenir. On sauverait méga masse de temps, non? Bon, c'est pas grave. Vas-y, on va lui parler. J'ai pas le truc. Ok. Ah oui, c'est vrai, il faut retourner, putain. Je sais pas si j'aurai assez de mana, les gars. Oh, c'est chaud, les gars. Oh, c'est chaud, les gars. Oh, c'est chaud. Oh, je l'ai fait en 20 secondes, mais je suis trop fort, les gars. Je suis trop fort, monsieur Gustave. Here's the polish. Tu me donnes ça pour tout ça, mec. J'ai fait en 20 secondes et tu me donnes ça. Sérieux ça? Faut attendre que le mana régène. Putain! Ça va être long, je crois, non? Attends, si on se colle à la lumière, on a plus de mana, non? Non, parce qu'on est déjà dans le soleil. Bon, c'est un peu long la régène de mana, les gars. Je crois que je vais couper à chaque fois pour régénérer le mana. Ouais, donc le mana, il régène. Il faut la recourir en quoi? 1 minute. Ça devrait le faire, hein, les gars. Voilà, on va courir un peu. Et c'est parti, les gars. On devrait l'avoir normalement. On a un peu plus de mana que tout à l'heure, j'ai l'impression. On a fait encore même chose qu'avant. You're getting much faster. Use this hunter knife. Oh, ouais, c'est vrai, ça donne de la speed, ça. Regardez la speed, comment on va vite avec ça. C'est vrai, j'avais oublié. Là, faut la run en 32 secondes. Ça devrait le faire, les gars. Ça devrait le faire. Ok les collègues, je suis prêt. Notre mana régène. Pas notre vie par exemple. Je sais pas, notre vie c'est super lent, mais bon, c'est pas très grave. Let's go, c'est parti. Faut la faire en 30 secondes, les gars. Ça devrait pas être un problème. Depuis tout à l'heure, on l'a fait en beaucoup plus vite que ça. Le seul problème, c'est que là, j'ai remarqué que, regardez, on est déjà à 700, 600 de mana et on n'est même pas à la moitié. Est-ce que ça va être un problème? Ça devrait pas. On l'a fait en 18 secondes. Encore mieux qu'avant. Parfait, en fait. Your cooking is a trinket for... Oh, le talisman qu'on avait besoin. Parfait. Il faut la run en 18 secondes. Et on vient de le faire en 18 secondes. Qu'est-ce que ça nous donne si on le termine encore une fois? Ça ne nous donne pas le Silky Wedge, le truc comme ça, là, pour faire la speed. On n'a pas de besoin. Donc, on va pas la faire... je vais la faire juste pour les marbles. Ok, c'est parti. En passant, j'étais en train de réfléchir, les gars. Et on va avoir besoin aussi de... Comment ça s'appelle? De commencer à travailler sur nos collections de food, en fait. Donc, je sais pas comment vous... What? J'avais pas commencé la course? Ah ouais, je l'avais commencé, ok. Bon, bah, c'est vrai. Va falloir commencer nos connexions et faire des millions de bouffe. Donc, faudra passer au...
à la barne et tout, et c'est le bordel aller là-bas. Donc voilà, on a fini toutes les. C'est juste pour plus l'avoir sur le côté ici que je l'ai terminé, mais ça ne nous donne rien de plus. Ce qui aide, c'est pour crafter une Leaping Sword meilleure, mais malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on va crafter dans le futur. Il y a un jeune homme qui m'a mentionné sur Discord, donc Veilleux, il m'a dit que avec la Wise Armure, on pouvait faire le Cheetah Talisman, donc celui qui est en mauve, donc ce serait notre deuxième mauve talisman. Il faut juste aller au Dungeon Orb. Donc on va aller faire ça plus tard. Pour l'instant, on va continuer à aller juste ici. Donc j'aurais pu aller par en haut, ça aurait été moins compliqué. Et maintenant, on va mettre cette armure-là, là, et on va faire ça. Et normalement, on peut faire jusqu'au talisman vert. Est-ce que je vais déposer mes coins dans ma banque au cas. Donc salut mec, hello, I'm the leader of the Campfire Cult. To join us, you need the Campfire Initiate Badge. Survive 10 seconds in the fire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En soi, ça va. Donc là, il va nous donner une... Attends, il nous donne pas de badge déjà? Je crois qu'il nous donne un badge. Ah, voilà. Là, Initiate, Fire 2, ok. Et là, il est en quoi ça? Il est en commun. Et je pense qu'on peut le mettre jusqu'en vert, si je me trompe pas. Avec la Strong Armure, du moins. Parce que ça, comme vous voyez, ça donne quand même pas mal d'HP. On a 1000 HP, donc on va passer à un autre niveau ici. Et ensuite, on va aller faire des Slayers et ça va nous donner des orbes. Ah, faut l'upgrader. Has been upgraded. Parfait. Donc, à 6 trucs. Donc, 350 dégâts. Ça le tient dans notre main. Donc, ça nous fait un autre talisman en plus. Hein. C'est pas mal. Let's go. Ah, c'est là que tu vois, on commence à perdre des cœurs. Avant, on perdait pas de cœurs. On est encore capable, mais voilà quoi. Ok, donc la rarité de notre item va être upgrade au prochain, ça dit. Est-ce qu'on survit, les gars? Ouh, ça devient de plus en plus chaud, hein. On a seulement 1200 HP, après il faut la faire en Massive Armure. Faut que je lui donne 160 Darkwood. C'est ça des Darkwood? Ouais, je crois que c'est ça. Bon, on va les prendre. Hein. On va espérer que c'est ça. Si c'est pas ça, j'ai l'air d'un gros idiot, je lui donne du mauvais bois, quoi. On débloque des trades. Faudrait... J'ai vraiment envie de forager un peu, tu sais, débloquer tous les millions de foraging et tout. Les mettre au max et tout. Le seul problème, les gars, c'est qu'avec ça, ça nous prend la tricapaciteur. Ça va tellement aller vite, on va prendre un tricapaciteur, des trucs de gold, et ça va être. Pas de gold, mais de hast. Et ça va être. On va être une fusée, gros. Ça va être tellement vite pour farmer le bois, mais j'ai pas envie de le faire avant, c'est trop long sinon. Et j'ai vraiment envie de récolter tout le bois nous-mêmes, genre. C'est jusqu'au million niveau 10, je veux pas tout l'acheter au bazar ou quoi. J'ai vraiment envie de tout le farmer nous-mêmes pour monter notre foraging et faire plus de dégâts. Parce que plus que vous montez votre foraging, plus que ça vous donne de la force. Et avec la force, vous avez assez ensuite pour one-shot les zélotes et faire plein de plus de dégâts dans les donjons et tout. J'avais assez, ouais. Ouais, j'avais assez. Ok, on va essayer le 6 maintenant. On va voir. Yo, Robert, t'es en lapis. D'après moi, tu vas mourir. Hein. Oh, le gars, il est en lapis, il meurt pas? Mais... Oh le gars c'est un thug life ou quoi? Oh là ça commence à faire mal hein. On n'est pas descendu en bas de 500 coeurs au moins. Perfecto. 7. Voilà je crois qu'on va mourir. C'est la fin pour nous les collègues. Oh non il nous heal. MDR. Attends on va y aller en même temps que lui. Attends, non, pars pas! Pars pas! Non, il est parti! Oh non! 140, ouais, c'est pas possible là, je crois. Oui, les gars! Miss Spruce Wood, et on va pouvoir l'avoir en bleu. Oh! Mais super ça, les gars! Mais c'est pas génial tout ça! Oh mon dieu! Le gars nous a sauvés avec la heal juste avant, je crois, mais ça n'a pas fait une grande différence d'après moi. On l'avait quand même. Ok, je crois que j'ai assez de bois. Je sais pas exactement. Je crois que ça fait
Mathématiquement, on fait soit 1000 divisé par 64, ça doit faire 16, je crois, dans les alentours, une connerie dans le genre. 15 quelque chose. Je suis pas super bon en maths, mais vous me direz dans les commentaires de toute façon si vous avez fait le calcul mathématiquement. Et je crois que c'est assez pour l'upgrade. Ouais, c'est assez. Donc on est en bleu maintenant. Donc c'est quand même assez simple. Maintenant, on va voir si on est capable de faire un niveau supérieur. Mais oh mon Dieu, non. On va mourir rapidement. Ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. On a eu un talisman bleu et vert gratuit. Et c'est pas terminé, les gars. Il nous reste encore quelques trucs à faire pour pouvoir obtenir des talismans gratuitement. Et notre prochaine aventure, ne vous inquiétez pas, les amis, c'est pas d'aller farmer des élodes. J'en ai eu assez la dernière fois. On va aujourd'hui faire la course de laine qui s'appelle Gulbert. Donc, faut courir de l'autre côté de l'île et revenir. Faut le faire en 3 minutes. Ça devrait se faire normalement. Attendez. On va se tenir sur le bloc ici. 1500. Ah ouais, il fait noir dans le Nether, c'est vrai. Bon, ben, let's go, c'est parti, les gars. Je me souviens plus du chemin. Oh my god, ça va être un bordel cette course-là. Je viens de penser, regardez le mana, je suis à 800. Comment je vais régénérer mon mana, frérot? Oh mon dieu, j'avais pas pensé à ça. Et je crois qu'il faudra la courir en 20 secondes à un moment donné, non? Oh mon dieu, ça va être le bordel. Bon, moi je connais le chemin pour la faire sans armure ici comme ça. Je pense qu'on peut la faire sans armure en fait. Je crois. On peut utiliser la West Armure juste pour... Ouais, voilà, ok. C'est ce qu'on va faire en fait, je crois. Oups. Voilà. 47 secondes, ça va. J'espère juste qu'il faudra pas la courir en 30 secondes puisque je crois que je serai pas qu'à faire. Capable. Des salades de perles, donc ça on peut prendre en 2 minutes, ça va, on va régénérer notre mana et on va pouvoir courir ça en 2 minutes les copains. Ok, c'est bon. Et aussi les gars, j'ai remarqué un truc sur mon épée. L'autre fois, lorsque je farmais les élotes, j'ai remarqué que j'avais pas lifesteal. Donc faudrait que... Non! Ok. C'est toujours un plaisir. J'avais vu que j'avais pas de lifesteal sur mon épée, donc je crois qu'il va falloir le crafter, les gars. Hein. On a vampirisme, mais pas lifesteal. Lifesteal, c'est très important parce que ça peut nous régénérer assez rapidement. Donc je crois on va essayer de rajouter ça sur notre épée. On a 70 niveaux, ça devrait le faire normalement, je crois. Ok, espérons pas mourir cette fois, s'il vous plaît. Ça serait cool. Je vais recommencer. Je vais recommencer. Je me suis dit, peut-être qu'on va utiliser mieux le grappin. En fait, gros, je vais recommencer. Qu'est-ce que je suis débile ou quoi? Attends, on va se mettre dans ce sens-là. Hop là, mon clavier, il fait n'importe quoi. Ok, voilà, c'est bon. Ok, let's go, c'est parti. Et là, ici, je vais utiliser ça pour pouvoir remonter avec ça. Comme ceci. Parfait. Et là, on va garder un peu de mana. Pourquoi qu'on tombe avec le grappin. Ce qui ne devrait pas arriver, les amis, vu que je suis un professionnel. Comme vous pouvez voir, je suis un professionnel. Et là, il nous reste du mana pour terminer la course. Boum! Personal best, 30 secondes, mon pote. Allez, Gulbert, qu'est-ce que tu vas faire, Gulbert? Je te soulève! Ouais! Un Underman masque? Ça me sert à quoi, ça, mec? Tu m'expliques? Ça m'enlève l'intelligence? Je crois que ça me donnait le talisman. 80 secondes, c'est quoi? Ça va, 80 secondes, on le fait easy, mec, allez. Parle-moi même pas, Gulbert, gros, je te soulève, Gulbert, allez. Ok, let's go. Quatre-vingt secondes, c'est 1 minute 20, je crois. Si je ne m'abuse. Perfecto. On a assez pour remonter. Parfait. 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 Les gars, what the fuck? Mais je suis trop bon, les gars. Regardez ça. 30 secondes, les gars. Mais je suis trop bon. Allez, donne-moi mon putain de truc. Gros, c'est même pas le talisman. Putain. C'est même pas le talisman, les gars. C'est une nope de fiche, le bâtard. Putain, je dois régénérer mon mana. Sapristi. Ok. C'est parti. Vous êtes prêts, mes collègues?
40 secondes maintenant, faut le faire. Non, en 30 secondes, pardon. Okay, on est rendu ici en 10 secondes, c'est pas si mal. Let's go. Let's go. Oh. C'est bon, 28 secondes, je crois qu'on l'a eu. Et là, normalement, on devrait avoir notre putain de talisman. Pickfoot. Parfait. Et nice! Un autre talisman gratuit, les gars. Bon, on a eu 3 talismans gratuits, dont 2 bleus. En faisant quoi? Des courses. Et de marcher sur du feu. C'est pas mal, ce jeu. Et on continue, les amis, pour maintenant avoir notre premier épique, notre deuxième épique talisman, à part le Mélodie. Donc, on a déjà le Mélodie, mais avec celui-ci, là, nous allons avoir, normalement, je crois que ça va nous donner 3 talismans. Et ensuite, ça va l'upgrade à chaque fois. Donc, on va commencer par la Crystal Core, Choose the Destination of the Ace. Je me souviens plus laquelle qui est la plus facile. Je crois qu'on va faire celle-là. Faut la faire en quoi? 30 sec 50 secondes? No Pearl. Vas-y, on va faire la No Pearl vu que c'est la plus simple. Vas-y, on va faire ça. Et si je me souviens bien. Hein, attends, faut se mettre ici, coller à la lumière. Non? Bon, c'est pas très grave. Hein. Let's go. C'est parti, les gars. Allez, c'est pas très très compliqué ceci. Donc là, c'est la Mushroom, right? Ok, parfait. Vas-y, on va se déplacer comme ça va aller un peu plus vite. Youp. Et voilà, c'est fini. Donc là, c'est bon. On aurait pu faire la première en fait, j'avais oublié. Je pensais qu'il fallait faire l'aller-retour, les gars. Bon, c'est pas très grave, on va la refaire. Hein. On va régénérer notre mana vite fait. Ça devrait pas être très long. Bah, on en a même pas besoin de tant que ça, donc ouais, vas-y. On va juste y aller au grappin, en pire, hein, j'allais dire. C'est pas la fin du monde. Hop là, on a un petit rollback là, vous avez vu. Wapalai, c'est en 90 secondes, on devrait le faire facilement, sans inquiétude. On n'a même pas besoin, dans le fond, de. On a juste besoin d'un peu de mana. Mais pas plus que ça en soi. Hein. J'ai envie de vous dire, c'était pas la course la plus dure de ma vie à faire. En plus, ça nous donne de la Wither Essence, qui pourra être pas mal dans le futur. Donc, let's go, c'est parti. Qui pourrait être pas mal pour lorsque nous allons commencer à faire des donjons. Je pense pas faire des donjons tout de suite, les gars. Hein, je vais pas vous mentir, j'aimerais mettre mes healers tous niveau 5 au moins avant de commencer les donjons. Parce que je crois que niveau 5 ou 6 des slayers, on gagne des trucs quand même assez intéressants, des talismans et tout. Et on en aura besoin pour les donjons de toute façon. Donc, cette course-là, elle est beaucoup plus amusante que les autres parce qu'on n'a pas à attendre pour notre mana, quoi. C'est moins long pour nous. Et le dernier en 25 secondes. Oh, ça par exemple, ça va être un petit challenge. Parce qu'on. Oh non, on l'a fait en 20 secondes. Donc ça devrait le faire. Ça devrait le faire, mes collègues. Let's go, c'est parti. C'est parti, on saute ici. Voilà. Boum, boum. Boum, boum, boum. Boum. Et on devrait avoir notre premier talisman, si je m'abuse. Et voilà. On l'a fait en 17 secondes. Encore plus vite que d'habitude. Ok. Et on a notre premier talisman qui s'appelle le 4 talisman. Mais on veut l'upgrade, les amis. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Je sais pas si on peut recourir la même course. Je vais pas prendre de chance. Je vais faire la précurrent. Ok? Parce que je sais pas exactement si ça fait la même chose ou pas. Donc, c'est parti. Ça nous donne 1080 de mana dès le départ quand on passe sur le bouton. Donc, c'est quand même plutôt cool. On a 1 minute 5 pour compléter les premiers étages. Ce qui est quand même très facile, hein, les amis. Je vais pas vous mentir. Parce que la course, elle est juste là, regardez. C'est super vite cette course-là. On va faire ça. Boum, 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 boum. Boum, c'est terminé. 18 secondes. Allez, hop, hop, hop. On gagne la Wither Essence. Et c'était celle-là. Et on la refait alors. C'est parti. Oh, 1200 cette fois-ci de mana qu'on commence avec. Donc ça régène notre mana instant quand on passe sur le bouton. Donc c'est quand même correct, quoi. On n'a pas à attendre. C'est la plus fun des courses, en tout cas, que j'ai fait depuis tout à l'heure, c'est celle-là. Moi, sur mon profil normal, il y a une course que j'arrive pas à faire, c'est la 30 secondes en fait. Donc j'ai tout fini les autres, hein, si vous saviez pas. Sauf là, c'est la 30 secondes, j'arrive pas à la faire. Celle-là à 30 secondes, la Crystal Core à 30 secondes, j'arrive pas du tout. Je sais pas comment je vais faire, les gars, mais
Un jour, il faudra bien la terminer. Hein. C'est le seul truc que j'ai pas terminé. Et à chaque fois que je suis dans le dungeon hub, ça me remet sur le côté. Hey, Con, tu n'as pas fait ça! Ça me montre tous mes échecs, les amis. Oh, j'aurais dû passer par en dessus. Oh, c'est pas grave. Ah, tu vois, j'ai plus assez de mana, mais je pense qu'on est bon en 20 secondes. C'est pas notre best time, les gars, mais je crois que ça va fonctionner quand même. Voilà. Et il nous en reste une à faire. Voilà, en 25 secondes cette fois. Ouais, vas-y, ça va le faire. C'est dommage, il n'y a pas un timer en bas qu'on peut voir. Oh, 17 secondes. En bas ici, à la place, avant ça mettait l'habilité dans le chat et je crois qu'il y avait un timer ici en bas, mais maintenant il n'y a plus le timer. Donc maintenant ça l'a upgradé à un Lynx en bleu et maintenant il nous reste juste une dernière course à terminer, la Crystal Core, celle que j'aime le moins au monde. En fait on pourrait le faire avec des perles en fait je crois. Vous avez envie, on le fait avec des perles ou pas? Ça va être encore plus vite. Ouais, on va aller chercher des perles. Je vais vous montrer comment qu'on fait avec les perles. Ça va être encore 100 fois plus vite. Boum boum, voilà. Dungeon Hub, ça c'est cool parce qu'on l'a débloqué. Il faudra débloquer tous les Travel Scrolls à un moment donné. Donc, c'est très simple. On sélectionne la course. Donc voilà, Crystal Core, Anything. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. On peut prendre le temps, les gars, ne vous inquiétez pas. On va pas aller au point de départ de toute façon. Ok. Donc, il faut se mettre ici. Faut perle vers le bouton. Attends, si je me souviens bien, c'est comme ça. Oh, fallait cliquer sur Start la race. J'étais si près, mais si loin du but, les gars. Si loin, mais si proche à la fois. Sapristoche. On peut juste la courir normalement. Je crois que ça va être moins compliqué. Hein. Enfin, ouais, je sais pas, au pire. Vas-y, on va réessayer. No Pearls. On va la faire avec le No Pearl, en fait. Ça va être plus rigolo. On va repasser sur le bouton. Voilà, c'est parti. Sinon, c'est trop cheat, en fait. T'as juste à lancer une perle. Tu peux le faire en une seconde. Faut juste que tu lances ta perle correctement. Le timer le truc correctement. Et t'es bon, en fait. Donc, c'est pas très amusant. Oups. Voilà. Oh, ouais. J'ai commencé la Giant Mushroom, les gars. C'est même pas la bonne course que j'ai lancée. Crystal Core, Anything, 50 secondes. Je suis vraiment un attardé, les amis. La vie de moi. J'en ai fait des conneries, mais ça, c'était vraiment drôle. Secondes, ça va, ça devrait le faire, les gars. Ça devrait le faire. Let's go, c'est parti. Encore une fois, Crystal Core 40 secondes. Let's go. Imaginez qu'il y a la musique de Mario là. Faites ça pour vous motiver, mes collègues. En vrai, c'est la meilleure façon d'avoir des talismans gratuitement, les gars. Je vous conseille fortement de le faire. Ça prend, comme vous voyez, voir, ça me demande quoi 10 minutes gros max à faire toutes les courses. Vraiment, c'est rien quoi. Ça fait 7 minutes à peu près que je fais les courses, peut-être moins. C'est très 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 vite les gars. Et on se fait pas chier, notre truc peut être notre pet. On pourrait avoir un talisman mauve quoi qui va faire une grosse différence quand on s'est mis en forceful ou en earthful. Et ensuite on va aller tester nos dégâts dans l'aide. Mais d'après moi on doit être en train de les soulever les Enderman, là, les Elotes. Maintenant on peut les one shot easy. Comme si vous saviez pas avant, il nous manquait genre 300 de dégâts, 400 de dégâts si vous avez pas vu la dernière vidéo. Et maintenant je crois qu'on va pouvoir les soulever easy peasy hein. Donc c'est parti, dernière course les amis en 20 secondes. Ouh, ça va être un peu chaud celle-là. Hein. Faudra se concentrer quoi. Race cancel pour. Anything, 20 secondes, ok. Bizarre ça. On va quand même la courir. Allez, c'est parti, parti, parti. Boum, 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 boum. Allez, 14 secondes. Pourquoi pas, les gars? I'm so good, hein? Upgrade 4 talismans à cheetah talisman en épique. Et voilà, on a un mauve, deux bleus, un vert gratuitement aujourd'hui, les amis. C'était
Pas mal du tout. Pas mal du tout. Maintenant, je vais utiliser mon site 2 pour améliorer mes talismans et voir qu'est-ce qui va nous permettre de faire le plus de dégâts possible. Et je vous reprends, mes amis. Donc, on va aller sur Discord comme d'habitude. Ici, on va aller dans les sites liens utiles. Juste ici, Gamble Guides. On va ouvrir la page juste là. Perfecto. Et là, on va mettre le nombre de talismans que nous avons, mes chers collègues. On a deux mauves, si je ne me trompe pas. Attendez, ça termine ici. On a des bleus encore. Donc, on a pas mal de bleus en vrai. Donc, le bleu ici. Cheetah, on va le mettre en haut ici. Voilà. C'est comme ça qu'on va faire ça. Perfecto. Il nous manque pas mal d'accessoires. Donc, moi j'ai un mode payant qui pourrait me scanner les accessoires, tout ce qui me manque. Donc, comme on peut voir le bar d'artifact, le campfire badge, personnel compacteur, tout ce qui me manque ici. Il y en a plein qu'on peut avoir gratuitement ou pour pas cher. Et on va pouvoir se les procurer, mais plus tard. Donc, il y a le Spooky Event aussi dans 23 h. J'espère pouvoir le faire. Ce serait notre premier Spooky Event sur ce profil. Donc, ouais, on a aussi un verre que j'allais presque oublier. Donc, le verre, il va aller juste ici. Parfait. Donc, on a combien de. On a combien de common? On en a. On va compter. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on a 9 common. 9 common. Uncommon, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Perfecto. 6. Ensuite, des rares, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rares. Perfecto. 8 rares. Parfait. On a 2 épiques, 0 légendaires et 0 mythiques. Voilà. Notre strength de base, donc lorsqu'on est tout à poil, j'imagine qu'il veut savoir. Notre strength de base, elle est de. On prend l'épée dans la main. On va prendre rien dans la main. Notre strength de base est de 176. 176, voilà. Le weapon damage il fait 100. Bon, il est déjà configuré. Le crit damage, on fait combien de crit damage? On fait 93. Donc 93, voilà. L'intelligence, la crit damage, intelligence, enchanted damage, on s'en fout. Combat level, je crois qu'on est combat level un peu plus haut que la dernière fois. On est 17. Donc 17, 17, voilà. Et un enchantement damage, 0. Ah, non, on va laisser à 100. Parce que je crois qu'il. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est les sharpness et tout ça. Donc, ouais, on va laisser à 100. Au pire des pires, c'est pas très grave. Donc, c'est parti, ça va nous dire quoi faire. Donc, il faut les mettre en force full, force full. Sauf 4, il faut les mettre en earth full. 2 épiques en earth full. Donc, en soi. Ouais. En soi, ouais, vas-y. Donc. En fait, les bleus qu'on vient d'avoir, donc celui-ci qu'il faut changer, celui-ci, et il est où l'autre? Le pig. Donc celui-ci, on va les mettre en Earth Full, comme ils disent. Celui-là, on va le mettre en épique. Et l'autre, le commun, il faut le mettre en commun, le uncommon. Uncommon, il faut le mettre en Earth Full. Donc on va le mettre en Earth Full lui aussi. Donc voilà. Je crois que c'est bon. On n'a pas oublié d'autres talismans qui ne sont pas Reforge. Je regarde vite fait. Non, ils sont tous Reforge. Parfait, let's go, on va faire ça. Donc, on peut directement parler à notre ami Malik ici. Basic Reforge. Donc, celui-là, on le veut en. Pas de coin sur moi, superbe. Faudra vraiment aller au spawn alors. Superbe tout ça. Donc, j'espère que ça coûtera pas trop cher. Donc, celui-là, faut le mettre en Earthful. Earthful, Earthful. Voilà, c'est bon. Ça c'est fait, si je me souviens bien, l'autre purple est en Earthfall aussi, voilà. Ensuite, il faut mettre les blancs, les bleus en Earthfall aussi. C'est ce que les sites disent, on va écouter le site, je crois que le site il y a un bug qui calcule tout ça, les gars. Bon, même si c'est pas le best optimisation, au moins ça sera correct. Donc Earthfall, il avait dit 4 bleus en Earthfall, on va en mettre 3, ça fait un peu la même chose quoi. On l'écoute pas exactement, mais pas très grave. Je crois pas que le site va se mettre à pleurer, les gars. J'aimerais que ça me coûte pas trop cher, s'il vous plaît, monsieur. Allez, pas le bâtard. Earthful, parfait. Et le potion affinité, nos potions vont durer super plus longtemps maintenant. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Et celui-là, il fallait qu'il soit en quoi? Je vais regarder vite fait le site. Donc, il fallait qu'il soit en Earthful aussi. Donc en gros, il fallait toutes les mettre en Earthful. C'était pas très compliqué.
Heartful, monsieur. Voilà, perfecto. Donc, notre cheetah talisman, il est parfait. Notre campfire, notre talisman, celui-ci aussi. Et maintenant, avec notre épée et notre aspect, on a 61 de crit damage, 235 de dégâts. Donc, normalement, si on va faire visite portal hub, on va faire un petit truc vite fait. Je vais voir sans potion combien qu'on fait de dégâts. Parce que, d'après moi, les gars, ça va avoir augmenté notre dégâts de pas mal, hein. Donc, en fait. Les gars, on fait 13 000 sans les potions. On peut one shot sans les potions, les gars. Mais les gars, on est des génies. La vie de moi, les gars. Vous avez vu ce qu'on a fait là? On a fait 4 talismans, mon pote. 4 talismans qui nous ont pris quoi? 30 minutes à faire chacun, peut-être au gros max la vidéo. Et regardez comment qu'on va être riche, les gars. Incroyable. J'aurais dû faire ça bien avant, en fait. Je m'aurais pas cassé le cul à acheter une strong plutôt, putain. Je galère un peu. Mais bon. Ouais. On a gaspillé quand même pas mal de thunes pour la Wise. Mais malheureusement, elle va retourner à l'HDV. Donc, monsieur Wise, vous nous avez servi de compatriotes, d'amis. Mais malheureusement, c'est terminé pour vous. Donc, Wise, on va pas la. Je vais pas la mettre, la faire du profit ou quoi, je m'en fous. Donc, on va faire les bots à 66 000. 74K, tiens, c'est la moins chère. On va quand même essayer d'avoir le plus possible de rentabilité. Donc voilà. Ensuite, Wise, on va checker toutes les pièces comme ça. Je vais pas devoir à le refaire à chaque fois. Lowest price, les jambières. On a le casque qui est à 100 000, donc 90 000. Le plastron à 220 000. Ça se fait chier parce que je l'ai payé 300 000. Et les jambières, les moins chères, sont à 250 000. Donc, ok. 100 000, 250 000, 250 000, 225 000 et 250 000, c'est ça? Ouais, voilà. Ok, donc on va commencer par ça. Donc 249K. Voilà. Hein. Parfait. Lui, c'est 220 000. Parfait. On va le mettre pour 12 h vu qu'il est quand même 4 h du matin. Et le casque, c'était 80. 18K. On va mettre 98K. Voilà. Pour 12 h. En espérant que tout ça se vende, les amis. Quoi d'autre qu'on pourrait vendre? Nope de fiches. Je sais pas si ça vaut quelque chose en vrai. Nope. Je crois que c'est pas ici. Nope de fiches. L'OS bin. C'est 50 000, les gars. Ça vaut pas vraiment le coup. On va aussi bien le garder. Hunter Knife et tous les autres trucs, ça vaut rien aussi. Donc on va garder tout ça. Bon, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, les amis. Donc, c'était une vidéo où on a quand même vachement amélioré nos dégâts pour quasi rien. On a maintenant upgradé aussi nos minions et tout. Dans le prochain épisode, on va avoir bientôt peut-être le runant. Donc, il faudrait que je joue pas pendant 2-3 jours parce que, bon, on va pas se mentir, les amis. Au début, c'est vraiment les minions qui taffent le. C'est les minions qui font le taf. Hein. Vous restez à FK, vous vous connectez pas et c'est insane comment les minions produisent. C'est ça qui génère l'argent au début. Mais je suis vraiment content du progrès qu'on a fait aujourd'hui. J'aimerais ça pouvoir tester dans le prochain épisode les Slayers. Donc on a un Underman Pet qui nous donne quand même du crit damage en plus. Mais je pense qu'on pourrait se faire au moins Slayer 1, 2 de chaque truc. Peut-être pas le 3, mais Zombie 3 peut-être on peut en Strong. J'ai vu des gens le faire en Strong. Donc les Zombies 3, oui. Les Tarantulas 3, c'est pas possible. Et les Loups 3 non plus, je pense pas qu'on va être capable. Mais si on est capable de faire au moins les 1 et les 2 et monter jusqu'au niveau 3 de chacun des trucs. Ça pourrait se faire plutôt cool. Donc, je crois qu'on va faire ça dans la prochaine vidéo. Et aussi, il faudrait travailler sur nos minions de poulet et toutes ces conneries-là. Parce que, bien sûr, il y a des trucs à débloquer dans les. Oups. Il y a des trucs à débloquer dans les collections de poulet et tout. Comme vous voyez, Viru, on l'a. Mais Rabbit, on n'a pas. Mouton, on n'a pas. Chicken, on n'a pas. Poulet. Enfin, tout ça, quoi. On n'a rien. Il faudrait aussi faire les mushrooms. Parce que dans les mushrooms, on a besoin des soupes. Pour voler et bâtir si on veut faire des trucs. Mais on a aussi besoin du talisman, il est où? Le Night Vision. Donc on aura besoin du Night Vision. Donc c'est bien, ça serait bien de quand même placer un million de mushrooms et tout. Donc on va faire ça dans le futur. Donc vous savez qu'est-ce qui est préparé pour les prochaines vidéos. En espérant que ceci vous fasse plaisir. Si la vidéo vous a servi à apprendre comment avoir des talismans gratuitement et rapidement et efficacement, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, la partager avec vos amis, ça me ferait super plaisir. J'ai vu que la série vous fait plaisir et on commence à refaire des vues sur la chaîne. Donc ça me fait énormément plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était votre père, Icons. À la prochaine, fiston.